Positionnez le store à l'endroit voulu et marquez l'emplacement des supports de fixation en prenant soin d'éviter, si nécessaire, les parties fonctionnelles du mécanisme. Positionnez le support sur l'ouvrant et percez l'ouvrant. Procédez de même avec le second support. Ouvrir l'ouvrant. Positionnez les supports sur chaque ouvrant et serrez la vis à l'aide de la clé BTR 6 pans fournie. Fermez l'ouvrant. Positionnez l'équerre et le support sur l'ouvrant et percez l'ouvrant. Ajustez l'équerre à la longueur voulue, puis serrez la vis sous l'équerre. Procédez de même avec la seconde équerre. Vérifiez l'alignement des équerres à l'aide d'un niveau à bulles. Positionnez le store à l'endroit voulu et marquez l'emplacement des supports de fixation en prenant soin d'éviter, si nécessaire, les parties fonctionnelles du mécanisme. Positionnez le support sur le plafond et percez. Procédez de même avec le second support. Quel que soit le type de support que vous avez choisi, la procédure de pose est identique. Ouvrir les supports. Positionnez le boîtier du store dans les supports. Verrouillez les supports. Accrochez la tige cristal d'orientation des lames. Pour descendre le store, tirez les cordons légèrement vers le centre du store. Pour le bloquer, amenez le cordon vers l'extérieur du store. Pour orienter les lames, tournez la tige cristal. Votre store est maintenant prêt à l'emploi. Quel que soit le type de support que vous avez choisi, la procédure de pose est identique. Ouvrir les supports. Positionnez le boîtier du store dans les supports. Verrouillez les supports. Descendre le store et marquer à quel niveau poser la butée. Remontez le store. Tendre le câble et marquer l'endroit où poser la butée. Percer pour poser la butée.
faire passer le câble dans la rondelle de serrage. Visser la butée dans le mur en maintenant le câble tendu. Baisser le store. Couper le bout de câble superflu. Procédez de même avec la seconde butée. Pour descendre le store, tirez les cordons légèrement vers le centre du store. Pour le bloquer, amenez le cordon vers l'extérieur du store. Pour orienter les lames, tournez la tige cristal. Votre store est maintenant prêt à l'emploi.